Good morning. Allez, Yidan et l'étude aujourd'hui, le long Nishmat, Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissi ben Ahuda, Sarah ben Hanan, Rachel Shlomo ben Esther, Risha ben Chaim, Nechemia, Shalom ben Chbiba, ainsi que l'Irefouat, Avraham Uri ben Reut, Pedor, Shah Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Zvachim, Pregut Bet, Mishnah Vav, Hayu Sovlin Otam Bemotot, Yatsu Rishonim, Chutz Lechomata Azara, Veacharonim Lo Yatsu. הראשונים מתמאים בגדים והאחרונים אינן מתמאים בגדים עד שיצאו יצאו אלו ואלו אלו ואלו מתמאים בגדים רבי שמעון אומר אלו ואלו אינן מתמאים בגדים עד שיוצאת האור ברובן ניתח הבשר אין השורף מתמא בגדים משנה סמפל. On continue le sujet évoqué dans la mission précédente des parim anisrafim ou sirim anisrafim. Pour rappel, la plupart des korbanot, on asperge le sang sur le misbeach ritzon. Il y avait deux misbeach, Bate Mikdash. Un dans la cour, c'était le grand misbeach, ce qu'on appelle le misbeach haola. Il faisait 10 mètres, 10 amot de haut, 5 mètres, avec très impressionnant, 32 amot, 16 mètres de long, un grand cube de 16 mètres, avec une grande rampe. Et là-bas, il y avait le bûcher sur lequel on faisait brûler tous les korbanot. Ça, c'est le misbeach achitzon. Le misbeach externe, l'hôtel externe, à la différence de l'intérieur du Echal, dans le Echal, quand on commençait à pénétrer dans le sanctuaire, il y avait là-bas le Misbeach Hazav et la Parochet, et à l'intérieur il y avait le Aaron, l'Arche Sainte, il y avait les Bechot Abrit dans le Bayit Rishon. Concrètement, il y a la plupart des korbanot, on les asperge sur le Misbeach Hachitzon, sur le Misbeach qui était dans la cour, le grand Misbeach. Il y a cependant quelques korbanot très solennels où il faut faire entrer le sang à l'intérieur dans le Echal et l'asperger à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les parim anisrafim ou seirim anisrafim. La singularité de ces korbanot, il est que puisque tu es entré les asperger dans le Echal ou même parfois dans le Kodesh HaKodeshim comme à Yom Kippour, alors la Torah elle a donné une grande gdusha quelque part à ces korbanot où une fois que le Kohen va sortir, il va juste ressortir des animaux, de ces animaux quelques graisses, tandis que le reste des animaux, il va devoir les brûler à l'extérieur de Yerushalayim même. À l'extérieur des trois machanot, c'est du dit comme ça dans les Depsukim, on va le déduire pour le moment. Je rappelle, parim anisrafim, trois sortes de parim et deux sortes de seirim. Les parim, les vaches, les taureaux plutôt, il y en a un qu'on faisait à Yom Kippour, par Yom Kippour, le duc par Kohen Gadol, de Yom Kippour, le par Kohen Mashiach et par Elem Dabar Shel Tzibur, des sujets qu'on a évoqués fréquemment, particulièrement dans Masechet Torah Yot. Et pour les Seirim, il y a les Seire Yom Kippour, Seire Yom Kippour, et le Seir Avodah Zara aussi. Ce sont donc les cinq korbanot où l'on asperge le sang à l'intérieur du Echal. De ce fait, il faut ensuite aller les brûler. On apprenait, dans la Mishnah précédente, on évoquait que ces korbanot véhiculent, une fois qu'on va les sortir, ils vont véhiculer une impureté. Le sujet de notre Mishnah maintenant va être de nous dire à partir de quel moment précisément il véhicule l'impureté et jusqu'à quel moment il véhicule l'impureté. On commence à traduire tout de suite. Ayu sovin notan bemotot. On le transportait par des motot, des manches, des bâtons. C'est-à-dire, d'abord l'isbol, c'est vrai qu'on traduit ça par, en hébreu moderne par souffrir, supporter, mais ça implique aussi un sabal, quelqu'un qui est un manutentionnaire, il est appelé en hébreu un sabal, ou sovel, il transporte, il porte des charges. D'accord. Donc, ayu sovlin otan bemotot. On les transportait, les parim anisrafim, ou seirim anisrafim, avec des motot, des manches, des grands bâtons, on accrochait l'animal, deux qui portent devant, deux qui portent derrière, et comme ça, ils transportent l'animal suspendu en dehors de Yerushalayim pour aller le brûler. Et la question est de savoir à partir de quel moment ils vont véhiculer l'impureté. La Mishnah m'enseigne, Yatzu Rishonim Chutz Lechomat Ahazara. Dès que les premiers vont franchir les remparts de la Hazara, donc de la cour dans de l'espace du Beth Amikdash, là où on offrait les korbanot, dès qu'ils vont franchir cette première barrière de la Hazara, alors ils vont commencer à sortir, à véhiculer l'impureté. Ça, c'est les premiers, dès qu'ils vont avoir le nez, qui vont sortir dehors. Le nez, ou plutôt tout leur corps, je ne sais pas, je pense logiquement, entièrement. Donc dès qu'ils vont sortir, eux, concrètement dehors, eux, ils commencent à devenir impurs. Ceux qui sont encore derrière, en train d'attraper l'autre bout du
bâton du manche. Pour le moment, ils ne sont pas encore devenus impurs. Vacharonim lo yatsu. Donc, je recommence. Yatsu arjonim chutz lechomata azara vacharonim lo yatsu. Si les premiers ont déjà franchi le seuil de la azara, tandis que les seconds, que les derniers n'ont pas encore franchi le seuil. Arishonim metam in gadim. Les premiers deviennent impurs au point de rendre impurs leurs vêtements. C'est un degré d'impureté plus fort. On avait évoqué hier déjà le sujet que il y a, selon les différents cas d'impureté, on peut véhiculer une impureté plus ou moins forte. Un des critères va être de savoir est-ce qu'on va impurifier les habits que l'on porte ou même les ustensiles que l'on va toucher en même temps. D'accord ? Donc les premiers qui vont sortir, qui vont franchir le seuil, eux, deviennent impurs. Vacharonim en admetam in begadim. Tandis que les derniers, ne pour le moment, ne véhiculent pas d'impureté, ne vont pas rendre impurs les vêtements qu'ils toucheraient. Atche yetsu, jusqu'à qu'ils vont franchir le seuil eux aussi. Yetsu elu velu, dès qu'ils vont sortir eux et eux, c'est-à-dire les premiers comme les deuxièmes, tout le monde va être dehors. Elu velu, metamin begadim. Tous les deux pairs, les deux qui vont devant, les deux qui vont derrière, tous, metamin begadim, véhiculent à présent l'impureté. Rabbi Shimon Omer. Maintenant, Rabbi Shimon, il va nous dire non, je ne suis pas d'accord. Elou va elou enan metamin gadim, que ce soit les premiers comme les deuxièmes, c'est-à-dire ceux-ci comme ceux-là, elou va elou, enan metamin gadim, ne vont pas véhiculer l'impureté, ad sheyutzat ha'ur beruban, jusqu'à que l'on va arriver en dehors de Yerushalayim, et que là-bas on va commencer à les brûler, et que le feu va commencer à les brûler. Majoritairement, c'est-à-dire le feu va concrètement bien s'en prendre et commencer à les brûler. Là, dans ce cas-là, celui qui va commencer à toucher le korban, à vouloir le transporter, à vouloir jeter du bois dans ce feu, à vouloir le ramener, il rapporte dans le Tosafot Yom Tov, il rapporte plusieurs cas de figure. Je le retrouve plus, zut. Voilà, mais à Père Babazar, celui qui va retourner la viande, va machiner Chetzim, celui qui va jeter une braise dedans, un bout de bois, pour un combustible pour que ça brûle plus, mais à Perbash Baesh, ou celui qui va retourner les braises pour qu'elles enflamment plus, vers Khote Gechalim, ou encore celui qui va utiliser tout cela, ça s'appelle qu'ils sont en ce moment, qu'ils sont en train de brûler les korbanot, les parimanisrafim, et dans ce cas-là, ils vont véhiculer l'impureté. Voilà pour la première borne. On finit la Mishnah, après je vais ouvrir les psukim, histoire de voir où c'est écrit dans la Torah et de mieux comprendre comment ça se passe. Donc, selon, je récapitule pour le moment, on s'est intéressé pour le moment aux étapes à partir desquelles on devient impur. Selon Chachamim, depuis le moment où on franchit le seuil de la Zara, les premiers qui franchissent deviennent impurs, les deuxièmes y suivent, dès qu'ils vont dépasser aussi le seuil de la Zara, aussi ils vont devenir impurs et rendre et souiller leurs vêtements. Et tandis que Rabbi Shimon va nous dire non, pour le moment, il n'y a rien du tout. Tant qu'ils ne vont pas mettre le feu. Dès qu'ils vont commencer à prendre le feu, que le feu va commencer à prendre, Yutsat Ruban, jusqu'à qu'ils vont commencer à être consumés en majorité. Yutsat Latsit Esh, enflammer quelque chose. Maintenant, jusqu'à présent, on s'est intéressé à la borne de début, depuis le moment où on franchit le seuil ou depuis le moment où on brûle. Jusque quand maintenant, Nitar Habasar En Asoref Metameb Gadim. Dès que, littéralement, je ne sais même pas comment ça se traduit le mot nitar, en théorie ça devrait être traduit, là, il a fondu, mais là ça n'a pas de sens du tout. Nitar habassar, tel que c'est interprété, ça signifie que dès que la face externe du corban elle est devenue complètement cramée, même si tu fouines, tu vas commencer à supprimer la première pellicule, tu retrouves encore là-bas qu'il y a encore une forme de chair, tant bien que mal, malgré tout, dès lors, en asoref metamem gadim, celui qui va continuer à brûler le reste de viande ne va plus rendre impurs les vêtements. Je vous dis tout de suite, il y a le Barthénois ici qui rallonge beaucoup, et qui rapporte, entre autres, un langage de Gemara, où là-bas il y a écrit jusqu'à que ce soit réduit en poussière. C'est-à-dire qu'on va véhiculer l'impureté, tant que ce n'est pas que les parim manisrefim ou serim manisrefim n'ont pas été réduits à de la poussière, à de la cendre, alors ils vont véhiculer l'impureté. Or, tout ce qui se lève que le Barthénois il a fait un petit problème, il a fait une petite boulette en fait, c'est qu'il a mélangé deux avis. Qui prouve de la Gemara qu'en réalité, même pour la fin de combustion, il y a deux avis. Selon Rabbi Shimon, c'est qu'on va brûler toute la face extérieure qui va cramer, même si à l'intérieur il va rester encore un bout de chair un peu solide. Finalement, c'est un bout de chair qui cramait lui aussi, donc ça ne véhicule plus l'impureté. Tandis que d'après Ramim, il faut aller encore plus loin. Il faut que ça devienne de la cendre. Il savait en fait, c'est comme ça que le Melchat Shlomo
conclut la Mishnah en nous disant qu'en réalité, il y a une machloket sur à partir de quand on devient pur, et une machloket aussi jusqu'à quand ça véhicule l'impureté. Et dans les deux sens, Rabbi Shimon, c'est le plus mekel. C'est-à-dire, en fait, je pourrais résumer comme ça, il y a quatre étapes. On commence par transporter l'animal, on le sort d'Yerushalayim, on va l'amener au Bet HaDeshen, on va commencer là-bas à le brûler, le feu va commencer à s'en prendre majoritairement. Dans un premier temps, le feu va prendre jusqu'à que toute la face externe, elle va être carbonisée totalement, tandis qu'il reste encore du solide à l'intérieur. On va continuer à brûler jusqu'à ce que tout va être réduit en cendres. Eh bien, Chachamim vont nous dire, du début où tu as franchi le seuil, jusqu'à la fin que ça a été réduit en cendres, celui qui va s'occuper avec ces animaux, c'est Parim Anisrafim ou Sirim Anisrafim, il va s'occuper à les brûler, à rajouter une brindille pour que ça brûle plus, à attiser quoi que ce soit, il va devenir impur jusqu'au soir. Tandis que Rabbi Shimon va nous dire non, pas du tout. Depuis le moment où tu vas mettre le feu, jusqu'au moment où le feu va commencer à carboniser bien, c'est le moment pour devenir impur. Donc Rabbi Shimon raccourcit doublement l'échéance. Ça commence plus tard et ça s'arrête plus tôt. On fait ça à présent dans le Pasouk quand même. On est dans Parashat Emor, Acharei Mot, là-bas où il y a tout le rituel de Yom Kippour, il y a deux fois dans la Torah. Essentiellement, là-bas, c'est rapporté clairement à partir des Parim Anisrafim, Osirim Anisrafim, une fois qu'on a fini tout le rituel d'asperger le sang à l'intérieur, que le Kohen a fait monter les graisses interdites. Alors le Pasouk nous dit dans Vaikra, donc Perek Tet Zayin, non Acharei, Pasouk Rav Zayin, nous dit Vetpar Achatat, Vetzer Achatat, Asher Uved, Damam Nechaper Bakodesh, Yutziel Michutz Lamachane, Vesarefu Baesh, Et Orotam, Vet Besaram, Vet Pircham. La Mishnah m'enseigne que le par Achatat, le taureau de Achatat qui était au Kohen, et le Seir Achatat qui était du Ham Israël, le bélier, alors que dont le sang a été aspergé, les Chaper Bakodesh, qu'on en a aspergé dans le Echal, Yotziel Michutz Lamachane, il faudra le faire sortir en dehors du campement. Vesarvu Baesh, on le fera brûler par le feu, et Orotam avec la sapo, Vet Bisram avec la chair, Vet Bircham et tous les entrailles. Vasoref Otam, et le Pasouk continue dans le Pasouk Rafret en disant Vasoref Otam, et celui qui les brûlera, Yechabes Begadav, il devra laver ses vêtements, et Achat Set Besaro Bamaim, et ensuite il devra se tremper, se laver dans de l'eau, c'est-à-dire se tremper au Migvé, Vacharechen, Yavo, El Amachane, et après seulement il pourra rentrer au campement, donc de rejoindre la ville. C'est-à-dire en fait, il y a marqué ici qu'il a purifié ses vêtements, qu'il est devenu lui-même impur, et qu'il a purifié ses vêtements lorsqu'il a brûlé l'animal. Ainsi, c'est écrit. Donc il y a marqué « Vasoref Otam », celui qui va les brûler. L'Arbi Shimon, il va me dire « Soref, quand tu brûles, Otam, tant qu'ils sont encore là. Mais dès que tu as... Donc tant que tu n'as pas encore commencé à brûler, tu ne vas pas véhiculer d'impureté. Et dès qu'ils seront plus là, Soref Otam, ça implique que tu brûles le Parim Anisrafim ou Sirim Anisrafim, la vache et le taureau et le bélier, ils sont là et tu les brûles. Mais dès que ça a été réduit en poussière, tu n'es plus en train de les brûler. Donc selon ça, Rabbi Shimon va me dire, ben voilà, les deux bornes elles sont grises. Depuis le moment où ça commence à brûler, jusqu'au moment où ils sont méconnaissables. Ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Chachamim, eux, quant à eux, déplacent les bornes. Ils vont nous dire, va sur le Tam, tu vas jusqu'au bout. Mais ils vont me dire que ça commence même plus tôt, en fait, depuis le moment où tu le sors. Le Tosot Yom Tov rapporte en réalité une halakha de Moshe Sinai avec un petit verset où c'est quand même « Votsit kol ha'par el-michutz la-machane el-makom ta'or el-shefer ha-deshen v'sara foto » Là-bas, le pasouk, on est dans Vaikra Dalet, pasouk Yud-Bet, où le pasouk me dit « Vehotsi et kol ha'par el-michutz la-machane el-makom ta'or el-shefer ha-deshen » et Vessara photo à l'Etimbaesh, chez Ferrandesh. Là-bas, le pasouk m'a rappelé en fait qu'il faudra le sortir du Votsiet Kol Apar El Michutz Lamachane. Je ne sais pas exactement comment c'était dû précisément, ce n'est pas une vraie déduction, c'est plutôt une Alakha Moshem Sinai, c'est une Kabbalah, le Votsiet Kol rapporte, une transmission comme ça qu'on avait que depuis le moment où on a commencé à le faire sortir, qu'on commence à devenir impur. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.